Dans le Gers, avec euh, Andrew Cockup, qui est euh, paysan boulanger, céréalier, et qui euh, a mis en place sur sa ferme des, des itinéraires techniques de, de régénération des sols et puis de, de l'élevage, je crois. C'est ça Bonjour euh, tout le monde. Euh, J'hésite de, de parler dans une salle des experts parce que moi je viens hors milieu agricole. Et donc, euh, je vais tout simplement raconter ce qui m'est arrivé, en espérant qu'il y a des choses euh, qui peuvent être utiles. Euh, mais pendant la plupart de, de mon parcours, je, je, je croyais de me trouver seul face aux, euh, aux questions d'aujourd'hui qui urgent. Et en fait, il y a des choses qui se passaient partout depuis très longtemps. Et donc, je, je remercie beaucoup les gens qui ont pris l'initiative de nous réunir, parce que c'est quand même très important. Euh, en fait, pour moi, euh, euh, il a commencé avec un simple article qui parlait de, de l'agriculture enfin, d'aujourd'hui, notre, notre alimentation industrielle, on peut dire, qui m'a beaucoup choqué. Et donc, euh, mon première démarche, euh, euh, c'était de, de commencer à, à apprendre à cultiver mes légumes. Et j'ai commencé euh, en suivant l'exemple du voisin avec un rotovator, etc. Et donc, je suis inévitablement rentré... Dans une guerre sans fin contre les, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, euh, parce que lui, il utilisait des produits moi, je ne voulais pas. Et en fait, c'était qu'après euh, quelques années euh, de, de non-travail de la terre, que je me trouvais dans, une, euh, dans un contexte de l'abondance, sans trop de boulot. Et euh, après la troisième année, euh, que depuis que je n'ai pas plus touché la terre, j'ai remarqué qu'il y avait une transformation euh, totale. Alors là, pendant ce processus et de voir cet équilibre qui, qui, prenait, qui a pris forme devant mes yeux, euh, enfin, j'ai tombé amoureux avec ces histoires de, de la terre, des plantes, de l'équilibre naturel et tout ça. Et donc, euh, je disais à mon épouse, bah, écoute, euh, il faut qu'on devienne des, des gens qui essayent de faire ça sur une plus grande échelle pour montrer qu'il y a des options pour produire autrement. Et donc, euh, euh, on a tout investi pour acheter une, une ferme dans nos gers. Euh, et euh, quand je suis arrivé à cette, bon, en cherchant les terres, la première chose que j'ai vue, je vais vous expliquer la photo euh, suivante, c'est bon, juste un, un, un quelqu'un habillé dans une, euh, comment dire, euh, les vêtements euh, chimiques, enfin, comme une guerre chimique, je sais pas, je cherche un peu les mots, euh, mais c'était un monsieur qui était en train de préparer ses phytos, et quand vous venez dehors, hors milieu agricole, vous voyez ça devant, devant vous, là, c'est choquant. Et donc, ça m'a me renforcé euh, mes idées de, de, de chercher des autres méthodes. Mais quand j'avais finalement euh, pu acheter une ferme, euh, en fait, euh, euh, l'ancien propriétaire qui était adorable, euh, mais c'était une avalanche d'informations. J'étais absolument perdu. Euh, par rapport à l'irrigation, la de mécanique, le nettoyeur grain, le silo, si vous tournez cette vanne-là en décembre, ça va péter. Sinon, c'était juste sans fin, sans fin. Et donc, en revanche, je pense que c'est à cause de tout ça que euh, j'ai abandonné tout ce que j'ai appris dans le potager et je suis parti euh, sur une agriculture euh, biologique, euh, on peut dire classique, donc euh, à la base d'un travail euh, de la terre. Bon, il avait certains trucs que j'ai mis en place qui, qui marchaient pas mal. Donc j'avais une, une façon de semer le blé, un quartier, et j'ai pu biner avec une, une bineuse guidée par un camarade. Euh, donc bon, il y avait des trucs, mais j'ai rendu compte quand même euh, que, euh, au niveau de... Bah, économiquement, je ne m'en sortais pas. Et euh, au niveau de la terre, euh, c'était catastrophique. Dans le sens où moi, quand j'ai acheté la ferme, il restait que 0,5% de matière organique euh, après des années et des années de maïs. Et euh, c'était de pire en pire. Donc, on, les, les, les ronds de Chardon qui étaient de plus en plus importants, de rumex qui euh, était euh, en, en train de m'envahir partout. Enfin, c'était euh, euh, c'était pas une option de continuer comme ça. Et donc, euh, euh, un jour, euh, j'avais... Euh, J'avais emprunté une, une essimeuse, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de, enfin, de, de, c'est des lames de tondeuse, mais hauteur hauteur de, 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 de qu'est-ce que je voulais dire Mais si, aussi on a, une, on a une, une récolte, il y a les mauvaises herbes qui dépassent. C'est une machine avec les, les, les lames de tondeuse, et on passe pour, pour couper les mauvaises herbes au-dessus de la récolte qu'on veut garder, pour, on, avec le but de les empêcher de grainer. Mais moi, j'ai emprunté un truc d'un voisin fait maison, hyper dangereux. Euh, j'étais là dans le champ avec les lunettes et les, les débris qui baladaient partout. Et j'ai rendu compte que euh, j'étais dans une guerre contre la nature. Et la guerre à moi, c'était euh, mécanique. La guerre de voisins, c'était chimique. Mais euh, c'était une, une guerre quand même. Et euh, on rend compte qu'il y a 12 civilisations qui ont disparu parce que le système agricole s'est fondu. Euh, et euh, si on prend l'exemple le, des, des Romaines, euh, il y avait des petites fermes qu'ils ont tenues pendant des siècles, des euh, petites fermes familiales où il y a un mélange de végétal et animal en symbiose. Et après, euh, il y a beaucoup d'hommes de, de, qui sont partis à la guerre. Et donc, les fermes, ils ont été rachetées par ce qu'on peut appeler des entreprises agricoles ils ont commencé à cultiver des grandes surfaces avec des esclaves. Euh, donc ils s'en foutaient de la fertilité sur le long terme. C'était le bénéfice qui comptait. Et très vite, euh, il n'y avait plus de fertilité, plus de rendement. Donc ils ont allé acheter de la terre en Afrique et pendant certaines périodes, ils ont cultivé le blé dans ce qui est maintenant le désert du Sahara, comme quoi on est en train de faire euh, exactement ce qu'ils ont fait les civilisations euh, qui sont fondées avant nous. Avant nous. Sauf qu'eux, ils avaient encore les milieux à aller exploiter de nouveau, tandis que nous, on est global, et eux, ils n'avaient pas perdu 80% des insectes. Et, et donc, c'est vraiment grave. Donc, j'ai rendu compte que moi, je faisais une guerre quand même, et donc, euh, et donc et ça, ça ne marchait pas. Et j'étais au point de vendre la ferme, quand j'ai tombé sur un monsieur qui s'appelle Albert Howard, qui est un Anglais euh, qui travaille en Inde, qui a fait une... Euh, toute sa vie, des expérimentations extraordinaires. Bon, la version très courte, c'est qu'avec euh, un sol vivant, on a des plantes en santé, des animaux en santé et des êtres humains en santé. Euh, et euh, tout commence avec la terre. Et donc, il a fait des expériments extraordinaires où il avait la vache folle, la, la maladie de vache folle gérée euh, en mettant les vaches malades sur des pâtures sur un sol fertile. Donc, une, virus, une maladie de virus. Merci à Conrad pour cette photo. Où on, est maintenant. Voilà, on est là maintenant, on, on s'en fout de, de, de ce qui est passé avant. Euh, euh, Qu'est-ce que je disais Oui, alors Albert Howard qui parlait d'une seule vivante, et c'était mon première introduction à ce concept. Et donc, voilà, les expériments extraordinaires, on n'a pas le temps d'y aller, mais je vous conseille fortement de lire ces, ces, ces livres, existent, ça existe en français aussi. Euh, les, les, les maladies animales humaines gérées par euh, les plantes issues d'un sol fertile. Comme quoi, toute discussion de il faut que ça commence avec le sol. Euh, parallèle à ça, j'étais en train de lire euh, euh, André Voisin, euh, l'herbe et le cancer, Newman Turner sont euh, l'équivalent euh, d'André Voisin en Angleterre, et il y a des études euh, qui s'appellent les paysans de, de 40 siècles, une étude de l'agriculture permanente en Japon, Chine, Corée et tout ça. Et en fait, Partout, je vois le même truc, euh, la puissance transformative des herbivores en symbiose avec de l'herbe. Et le fait que pour moi, euh, ça m'a sorti comme la seule façon d'avoir une agriculture durable. Et donc, euh, avec l'accord de mon pauvre épouse, euh, on a dit bah, écoute, on investit la dernière ressource qu'on a pour recommencer avec une sol à la base du sol et des animaux. Et donc, euh, j'ai trouvé la recette des, des, des prairies. De Newman Turner, qu'il a expérimenté pendant plusieurs années. Bon, il est là si vous le voulez, je vous le donne après. Et je, ai, je les ai semés. Et on a mis des vaches en pâture tournante, c'est-à-dire qu'ils changent de pâture euh, un ou deux fois euh, par jour. Et on a mis en place aussi euh, les, euh, les couloirs pour les vaches qui nous permet, en fait c'était parce que j'ai pas d'ombre à la ferme, parce qu'ils ont racheté des arbres comme partout, ce qu'ils sont en train de, de, de remettre en place avec arbre présage. mais j'avais pas d'ombre et donc euh, j'ai mis en place des couloirs pour les vaches pour qu'ils puissent revenir à l'étable pour s'abriter du soleil quand ils, quand ils voulaient. En fait, c'est un outil très performant parce que ça nous permet de pâturer n'importe où euh, à la ferme où il faut pour maîtriser ce qu'on veut maîtriser. Euh, en levant le fil, tout simplement, ils il, il vont dans la partie journalière et rentre boire, et euh, rentre à la table pour s'habiter du soleil quand ils veulent. Donc, ça, ça, ça demande très très peu de, de, de boulot. Et donc, après d'avoir des vaches à la ferme, euh, j'ai remarqué très vite euh, dans les parties autonomes, il faut bien préciser ça, j'ai remarqué très vite euh, une explosion de vie dans la terre, mais il me fallait les récoltes. Et donc, euh, c'est à cause de ça. Euh, ça, c'est nos, nos amis agro-paysages en train de, premier, de planter la première haie. Maintenant, on a fait depuis, euh, depuis cinq ans, on fait des, des, des façons expérimentales un peu poussées euh, d'agroforesterie à la ferme. Et, mais je me trouvais face à la question, millions de dollars, comment euh, euh, on peut produire, euh, comment je peux récolter sans chimie, parce que c'était une ferme en biologique, sans bouleverser la terre. Et c'est là où les problèmes commencent. Et donc, euh, dans un premier temps, euh, j'ai euh, chopé le, la recherche de, de Rodale Institute aux États-Unis. Euh, eux, ils ont fait beaucoup d'expérimentations à la base du simple fait de, de, de créer un paillage au niveau du champ avec un rouleau. Euh, et donc, on a un paillage et on sème en travers le, du paillage. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à, à, avec ces idées-là et j'ai fait des couverts purs, parce que pour, pour que ça devienne paillage, il faut rouler au moment de floraison. Et moi, je ne savais pas les espèces qui allaient arriver en floraison en même temps. Donc, j'ai commencé avec des espèces pures. Donc là, on voit du veste. Ça, c'est après d'être roulé avec le maïs semé en travers. Ça, c'est le maïs qui sort, etc. Mais on voit assez tard dans la saison, quand même, le paillage il reste. Malgré le fait que c'est un paillage de veste, donc c'est un peu sucré, Bon, je pense que ça indique que la, terre, la vie de terre, ce n'est pas terrible, mais enfin, il y a quand même des avantages d'une terre approuvée. Et euh, voilà, ça continue. Alors là, c'est un tournesol que j'ai trouvé dans le champ, qui est là devant le maïs qui pousse dans le terroir où j'ai biné, j'ai fait tout comme d'habitude. Et c'est le même tournesol là, devant le maïs qui pousse euh, dans la veste. Donc c'était euh, une, une révélation pour moi qu'il y avait quand même... Des, des solutions. Et même au fin de cycle, là, on voit que le paillage fait son boulot. Voilà. Après, euh, c'est peut-être pas trop la peine d'attendre l'arrivée du tracteur parce que c'est une vidéo, mais euh, euh, j'étais juste pour vous montrer de, le, le semoir. Mais il y a un rouleau devant et un semoir de, derrière qui nous, euh, qui nous donne le, le, le soja qui, qui traverse le, le seigle, en ce cas, qui est roulé. Et pareil, voilà, le, seigle, le soja. Bah, le roulage n'était pas parfait, il avait des choses à améliorer, mais néanmoins, au fin du cycle, là derrière, c'est le, le témoin, qui était un peu mieux euh, euh, dans, dans le soja que le, ce que j'avais fait dans le, de, dans le seigle, mais, mais euh, le rendement, c'était très proche. Et euh, dans, dans, dans un, on a, on a amélioré des choses, et dans l'autre, on a encore minéralis, minéralisé. Donc. Euh, et voilà, après, j'ai testé les effets allopathiques du saracen, donc j'avais beaucoup de repousses de sarrasin après le maçon, et j'ai semé de l'orge directement dedans, et ça c'est après le premier gel, donc tous les saracens, ils, ils sont partis, et ça c'est juste les photos mensuelles, où on dirait que c'est un champ conventionnel. Et donc, euh, après tout ça... Je suis devenu convaincu qu'il y avait des solutions parce que j'avais enchaîné euh, ces trucs-là pour aller plusieurs années <coughs> sans, sans travail de sol. Et ça, bon, c'est une histoire en soi, donc je pense qu'on n'a pas le temps d'y aller. Mais euh, pendant ce processus, j'ai rendu compte que si je ne voulais pas travailler la terre, il faut que je sois très, très léger. Parce que la terre chez moi, au moins, c'est très sensible au compactage. Et donc, euh, euh, je suis allé voir les amis en le Pennsylvanie. Et pour voir euh, les gens qui savent travailler des, des grandes surfaces avec des chevaux. Et donc là, pour donner un exemple, c'est trois chevaux avec une GPS, parce qu'en semi-direct, on ne voit rien. <laughs> et. Euh... <Applaudissements rire> c'est des chevaux et il faut remercier, pas moi. Ça... C'est où le petit souris pour lancer la vidéo Ou est-ce que je peux faire comme ça Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Euh, non, on va pas passer longtemps là-dessus, c'est juste pour montrer qu'il y a des outils euh, performants qui nous permettent de, de faire euh, ce qu'on veut. J'ai beaucoup étudié le temps de travail euh, engendré pour euh, euh, avec le traction d'animal donc si après, il y a des gens qui ont des questions, on en parlera, mais euh, je pense qu'on peut pas, on peut pas tout faire euh, à la fois. Donc ensuite, pour retourner au sujet, euh, j'ai continué les mêmes euh, expérimentations donc là, je sème du sarrasin de nouveau, mais je cherche toujours les solutions plus légères parce que, avec les chevaux, on veut des solutions plus légères, euh, qui ont un côté positif, parce que ça, ça, ça vous oblige de faire ça. Et donc là, on sème à la volée. Après, on a roulé euh, la veste d'une façon un peu aléatoire parce que les conditions n'étaient pas terribles. Mais néanmoins, on voit que le, le sarrasin traverse la veste, et, ben, etc. Et on, pour finir, on se trouve avec une chambre comme ça. Et donc, euh, euh, c'était une piste très promettante. Euh, mais le problème, c'est que je ne pouvais pas mettre les vaches dans les mêmes champs. Parce que quand on a besoin, par exemple, d'une floraison précoce de la veste qu'on veut rouler pour semer le maïs dedans, je ne voulais pas le freiner euh, en, en le pâtirant. Et, euh, et, et je voyais que dans les champs où il y avait des vaches, il y avait une explosion de fertilité. En fait, euh, je viens de voir les chiffres qui confirment les choses que j'ai vues. Euh, ça, c'est une expérimentation juste de, de, de mélange d'espèces pour faire des, des différents étages. Donc, il y a Seigle, Avoine, trèfle C'était notre piste. Voilà. Mais ça, c'est un truc. Bon, c'est en anglais, mais euh, on s'en fout. C'est juste parce que c'est Gay Brown, un agriculteur aux États-Unis, euh, qui parle de, de quatre fermes qui ont été en non-travail de sol depuis 20 ans. Et je ne me rappelle plus lequel c'est, mais ça ne change pas de bilan. Il y a un qui a fait des cours végétaux un autre pas, et un qui utilise des pesticides, les autres pas, un qui utilise des engrais, l'autre pas. Et on voit que si on, on regarde la euh, matière organique, le OM à droite ou juste avant droite, euh, les toits, ils sont tous pareils. Et cela là où c'est euh, sept fois plus ou six fois plus, c'est où il y a des animaux. Et c'est pareil, euh, la capacité d'absorber de l'eau à droite, c'est plus ou moins pareil euh, pour tous les toits. Mais euh, où il y a des animaux, c'est 30 fois plus. Et donc, ce qui m'embêtait par rapport à ce que je faisais, c'est que j'avais des vaches là et des cultures là, et je voulais mélanger euh, les deux. Alors, parallèle à tout ça, euh, j'étais en train de multiplier des blés anciens. Et pour ceux qui n'ont pas vu euh, euh, un blé ancien, la botte là, ça représente plus ou moins la taille d'un blé moderne. Euh, c'est notre plante. Et donc, euh, euh, ils, sont, ils sont déjà très beaux. Et quand j'ai semé des blés anciens dans une chambre avec un blé moderne, j'ai analysé les contenus en minéraux et vitamines, il y avait en moyenne 55%, 55 plus dans le blé ancien. Donc, comme quoi, il y a beaucoup de discussions par rapport à la baisse des valeurs nutritives dans nos aliments, dont une partie, c'est certainement la terre, mais aussi une partie qui est certainement un choix varietal. Euh, et euh, une fois, j'ai raconté aux enfants qui sont venus à la ferme l'histoire de ces blés anciens euh, comme quoi ils poussaient dans les patios de quoi sont fertiles, etc. Et après, ils sont partis, je ont dit, attends, qu'est-ce que je viens de dire Pousser dans les patios de quoi sont fertiles, donc ils peuvent peut-être pousser dans les patios maintenant. Euh, et donc, euh, encouragé par une visite à un paysan dans le centre de la France euh, qui fait ça pour avoir son production de paille, euh, son nom m'échappe, je suis désolé pour lui, euh, mais euh, je peux le retrouver. On a commencé à euh, semer du blé euh, dans les pâtures. Et donc, juste pour donner un exemple, euh, ça c'est un blé, euh, vous voyez le blé là qui se développe. Ici, vers nous, là, j vers le bas, je n'ai pas semé. Et après, euh, bon, c'est quelques mois après, mais on voit la limite de la partie qui n'est pas semée. Et après, bon, c'est notre maçonneuse un peu à sa façon, mais on voit le, euh, le, le résultat. Euh, pareil, c'est notre un, un autre exemple, le blé là qui qui avait l'air d'être un peu concurrencé, mais pour finir, ça monte plus haut, tout simplement. Et euh, voilà. Et après, euh, vous voyez comme je suis grand, donc il a monté très très haut à la fin. Euh. Je suis conscient du fait que je suis en retard, mais il y a des choses absolument euh, magnifiques. Là, on voit par exemple, il y a des pâtures où euh, j'ai vu avec Alain Carnet, justement, une forêt de folle avoine. Euh, un truc historique, sans doute, de, 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 qui date euh, des, des années avant que c'était une pâture. Et où le blé commence, le folle avoine arrête. Comme quoi, la terre, euh, il avait besoin d'une graminée et on a remplacé le folle avoine avec un... Je ne sais pas le mécanisme, mais c'est fascinant. Euh, voilà, et c'est... Euh, là, si montrer que, bon, c'est n'est pas une surprise pour les gens ici, mais que notre idée de, de concurrence, euh, il faut repenser tout ça, mais ce qu'on vient d'écouter tout à l'heure euh, de façon extraordinaire avec le COSA, euh, mais là, bon, il y, y a du vers et du seigle. Les deux petits, ils étaient juste euh, les deux semés ensemble, et les deux gros, ils avaient, où, où ils avaient de l'avoine et de radis aussi. Donc, comme quoi... Euh, c'est la diversité qui nous amène plutôt vers l'abondance euh, que, que vers la concurrence. Euh, alors, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est euh, cette idée d'une pâture permanente. Parce que je trouve que les, les, les plantes pérennes d'une partie sont beaucoup plus faciles à gérer que les plantes euh, concurrentielles euh, annuelles, comme le vulpin, le folavoine et tous ces trucs-là. Euh, il y a beaucoup de pistes à, à explorer comme ça. Par exemple, ça, c'est euh, un blé semé mois de juin. Euh, suivant la recherche de Bonnefils, un Français qui a beaucoup expérimenté sur les semis précoces du blé. Donc là, il y a tout un truc à faire. Euh, J'attends avec impatience ce monsieur euh, Trommenschlager cet après-midi qui va parler des semis des céréales précoces. Euh, je vais aussi euh, semer d'autres choses dans les pâtures pour euh, produire plus de biomasse, plus de forage en suivant les exemples que j'ai vus chez, chez, chez M. Abadi, dans le Gers aussi, mais toujours à la base d'une parture de base en dessous. Euh, justement, je viens de, recevoir une, euh, on vient de lire une thèse en, en cours, où la conclusion, c'est que les nouveaux systèmes de culture produisant à la fois des céréales et du forage pourraient pour donner une nouvelle pertinence au système de polyculture élevage qui ont tenu pendant 40 siècles. Quand on croit qu'il n'y a rien de nouveau. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau génétique parce qu'on ne peut pas faire ce genre d'agriculture avec des variétés créées dans les laboratoires, laboratoires dans une terre stérile, qu'ils n'ont souvent même pas la capacité de faire des relations euh, euh, mi euh, Donc euh, il faut quand même qu'on euh, se réunisse pour euh, trouver des génétiques capables de, de pousser dans les, dans les, les conditions euh, difficiles enfin, plus difficiles. Euh, alors, pour faire très vite, à la fin, c'est juste un partie économique. Mon but, c'était de vendre la farine. Personne ne voulait l'acheter euh, parce qu'il disait qu'il avait pas assez de force. Moi, j'avais du mal à le croire parce que c'était la même farine, les mêmes blés avec lesquels on a fait du, du pain depuis 10 000 ans, enfin 5 000 ans. Euh, et donc, j'ai commencé à faire du pain. Ça n'a pas marché non plus jusqu'au moment que j'ai trouvé ce, ce livre de, de boulanger de roi de la France du XVIIe siècle qui m'a tout expliqué. Et euh, dans ce processus de faire du pain, j'ai compris qu'à chaque niveau du de, de champ, des traitements euh, phyto, le choix variétal, la façon de moudre, la chimie qu'on rajoute, le fait qu'on ne fermente plus, on utilise la levure, etc., etc. On se trouve avec un pain avec 35 ingrédients. C'est beaucoup plus surprenant qu'il y a quelques gens qui peuvent le manger qu'il y a certains qui ne peuvent pas. Et en fait, euh, le vrai, euh, un vrai pain sur des fermentations naturelles et de bon, de bon blé, c'est un superfood, si ça existe en français et, et c'est pas que les minéraux et les vitamines euh, qu'on libère avec une fermentation, non c'est euh, des peptides et des, des antioxydants, antioxydants euh, et des peptides qui luttent contre le cancer il y a des, 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 euh, des molécules qui peuvent lutter contre les maladies auto-immunes c'est vraiment euh, quelque chose qui justifie ou peut justifier euh, son, euh, sa place au centre de la table et la dernière photo une histoire plutôt euh, euh, une histoire euh, d'espoir plutôt c'est que, ça, ça c'est le queue devant notre magasin où on vend le pain et euh, <applause> non c'est juste pour je plaisante mais c'est juste pour dire qu'il y a une demande euh, là pour euh, des gens, des choses, des choses, saines, durables et locaux. Les gens, ils sont, des euh, consommateurs sont très intelligents. Et ils sont intéressés par euh, par nos histoires et euh, je pense qu'il y a des, des fortes opportunités hein, à explorer. Merci.